Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile Mahé du blog La Sorcière et le Médecin. Aujourd'hui, je vous emmène en balade avec moi sur le circuit d'Absalon qui se situe sur la route de la Trace en Martinique. En fait, tout simplement, en regardant au sol, on trouve ce genre d'énormes feuilles. Bon, vous voyez, ça peut protéger même de la lumière, du soleil et de la pluie, avec deux faces. Et donc ça nous vient du bois canon. Donc le bois canon qui est aussi appelé de son doux nom latin Cecropia, qu'on voit en fait juste derrière, c'est le tronc là qui est morcelé en fait comme un bambou. En fait c'est un tronc creux qui donc a donné le nom à cet arbre, bois canon, puisqu'en fait, quand il y a des incendies de forêt, le tronc explose avec un bruit énorme, d'où son nom. Donc il n'a pas seulement une feuille d'un format intéressant, il a aussi des propriétés médicinales. Donc c'est un arbre qui est utilisé, alors en tout cas les feuilles comme fébrifuge. On a aussi montré que les feuilles avaient une action, l'extrait des feuilles avait une action hypotensive. Il y a un latex qui est aussi utile pour tout ce qui est verrues, par exemple. Sinon, pour la petite histoire, j'ai aussi trouvé à Cuba, où ils ont une explication intéressante en fait sur cette double face, un côté noir, un côté blanc. En fait, ils l'appellent langue de belle-mère. Voilà, comme ça, il y a ce que la belle-mère dit par devant et par derrière, voilà, c'est encore sympa pour les belles-mères. Et sinon, il y a aussi Aimé Césaire, donc qui a encensé en fait ces arbres dans ses poésies, notamment en parlant des cécropères aux mains d'argent, qu'on l'envoie dans le paysage, puisque en fait, dès qu'il pleut, ça indique en fait finalement, si vous regardez un petit peu dehors, qu'il va pleuvoir, puisque les feuilles se retournent et dans le paysage on dirait que les arbres sont devenus argentés, donc c'est mauvais signe, c'est qu'il va pleuvoir. C'est fini pour le bois canon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.